Coucou, bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire un petit coucou depuis ma promenade quotidienne, là, qui est vraiment devenue maintenant une habitude depuis le mois de septembre, là, de venir me promener, profiter du bon air, de ces belles montagnes magnifiques qui m'entourent, et de savourer la chance que j'ai d'habiter dans cette région de la Drôme, Adie. Voilà. Voilà, alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un point qui me semble vraiment important, c'est l'importance de célébrer. Célébrer les petites victoires du quotidien, les petits miracles du quotidien, les petites avancées, etc. On ne célèbre jamais, jamais, jamais assez. Donc, juste pour partager un petit peu moi ce qui m'est arrivé ces derniers jours, donc le week-end dernier j'avais un week-end crème de joie qui s'est merveilleusement bien passé avec à nouveau des très très belles transformations, des super témoignages, beaucoup de courage, beaucoup d'amour aussi. On a partagé vraiment de très 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 chouettes moments, très forts. C'est toujours très très riche au niveau émotionnel. Et vraiment, voilà, quand on est dans le cœur et que l'amour circule, tout est possible. Donc voilà, donc ce séminaire s'est extrêmement bien passé. J'ai été pleine de gratitude. Dimanche soir, enfin pendant tout le week-end, dimanche soir et le début de semaine. Et je me suis autorisée, j'ai osé m'autoriser à célébrer voilà, ce séminaire, cette petite victoire. Et parce que je me suis vraiment sentie très très bien pendant ce séminaire, vraiment à ma place. Et voilà, j'avais envie tout simplement de remercier la vie, d'honorer la vie et de célébrer cette petite victoire, voilà. Et donc je suis allée m'acheter des fleurs que j'ai choisies en conscience. Je me suis offert un petit massage parce que il n'y a pas de mal à se faire du bien et c'est vraiment toujours un super beau moment de connexion avec son corps. Et voilà, j'avais vraiment cette envie de célébrer cette ce week-end, cette petite victoire sur tout ce qui s'était passé, etc. Et je vous invite vraiment à expérimenter ça, à mettre ça beaucoup plus souvent dans votre vie, célébrer pour les petites victoires, mais célébrer aussi pour rien. Et on peut le faire tout simplement en mettant de la musique et en dansant, ce qui m'arrive aussi très 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 régulièrement. Voilà, donc quand vous célébrez, ce qui est génial, c'est que ça vous met dans une énergie super positive, ça vous tire vraiment vers le haut, et voilà, et vous vibrez super haut et vous êtes voilà, dans une énergie très très positive. Donc je vous encourage vivement à le faire et régulièrement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et ben, je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt. Virginie Bertrand, Graines de Joie, le blog prenez-vous en main.com.